Voilà, aujourd'hui, dans le cadre de la célébration d'une journée dont l'importance n'est plus à discuter. Tout d'abord, nous rendons grand hommage à nos aînés qui ont amorcé cette structure dans le but de rassembler les étudiants provenant de la commune de Sakar afin de leur apporter leur soutien pédagogique et social. Toutes ces générations qui se sont succédées avant notre installation à la tête de cette amicale qui m'a fait aujourd'hui l'honneur de prononcer ce discours avec fierté ont profondément contribué à notre insertion et à notre adaptation jusqu'à avoir aujourd'hui la possibilité d'assister nos jeunes étudiants. Chers nouveaux étudiants, l'université est un sanctuaire dans lequel l'on forme l'individu capable de comprendre les évolutions sociétales et apporter des solutions. Elle offre beaucoup d'opportunités à celui ou celle qui serait capable de les déceler, les identifier et les orienter. Cependant, l'université n'est plus ce qu'elle devrait être au regard de la société. L'on aurait tenté de dire, pour l'opinion publique superficielle, bien sûr, elle n'est qu'un centre de préparation au chômage, parfois avec les diplômes en poche. Partant de là, il est important de préciser que les gens n'ont qu'une conception et on est à l'université. L'université n'est pas ce que les faibles pensent, qui l'ont quitté dès la première année ou qui ont été victimes du grand tamisage. L'université est le lieu par excellence de la bonne et rigoureuse formation. En ce sens qu'elle nous prépare réellement à la vie. Elle nous fortifie par la vivacité des épreuves, par la délicatesse des situations et l'essence même des faits. Dès lors, il convient de cet objet qui étouffe de la question suivante. Comment réussir l'université? La réponse que je peux donner au nouveau bachelier est la suivante. Vous devrez strictement se référer aux anciens pour bénéficier de leurs expériences et encadrements, car l'unique objectif de notre présence ici à Dakar est de réussir dans nos études. Pour aller servir notre très chère commune qui compte sans doute sur sa jeunesse et au-delà même. Monsieur le représentant du maire, au nom de l'amicale et à mon nom personnel, transmettez-nous ce message à Monsieur le maire. Il fait sans doute la satisfaction de la commune et plus particulièrement des étudiants. Nous sommes témoins de sa volonté existentielle et indubitable qui ne cesse d'être renouvelée avec une force démonstrative. Nous sommes des témoins de son engagement, sa bravoure, sa loyauté, son honnêteté, ses preuves parlantes, mais surtout son amour envers la jeunesse à qui il avait toujours accompagné avec des orientations, des conseils et un soutien financier très important pour le bien-être des étudiants à l'université. Puisque rien n'est possible sans les hommes, rien ne sera durable sans les institutions. En retour, nous lui promettons une descente sur le terrain pour faire une sensibilisation vaste et convaincante à propos du paiement des impôts. Parce que nous sommes sûrs que la disponibilité des moyens au sein de la mairie est synonyme du développement de notre commune. Au terme de mon discours, j'invite tous les étudiants de notre localité de bien vouloir rejoindre cet espace d'échange et de collaboration. Entre apprenants dont l'objectif reste et demeurera une réussite collective de tous les étudiants de la commune de Sakar. Donc,
Venez assister et participer car nos portes vous sont et vous seront toujours ouvertes. Je terminerai jamais mon discours sans saluer la présence de cette audience qui nous a manifesté toute sa disponibilité pour embellir notre journée d'intégration. Ceci me donnera l'occasion de saluer et encourager notre très cher frère, Serigne Fallou Dabo, le directeur général de Mbota, qui nous a accompagné les Lacoste dans le cadre d'un partenariat pour beaucoup plus de visibilité de notre amical, mais aussi de son entreprise. Que la fête soit belle, je vous remercie. Donc, il nous promet que c'est énorme. Nous avons organisé là, c'est grâce à eux. Donc, nous sommes contents de nous faire là. Mais il faut les toucher, nous avons dit que 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 nous donc, mais le maire est content. Kabiri Sanjilo le commando, avec étudiants accompagnés quand même. Parce qu'à Kodifo Mindino, à l'énergie de 300 000, à Bodota, 600 000, Fombe Bimito, à 800 000, à 8 000, à 8 000, pour étudiants, si vous êtes dans Niamey, moi aussi là, nous sommes Niamey. Donc, on va continuer de battre tout là, alors que vous êtes en 2 milliards de dollars. Et on va faire un étudiant qui est là à côté. Mais sur le terrain, étudiant de sensibilisation qui est le premier local. Mais ça a été un point ici, on va avoir un point d'autre. Quand on peut développer la communauté, étudiant de la carambole, sur les allées. Donc, moi, je suis content de venir à l'Onego, de capter un étudiant de l'Onego, amical de Odoka, monsieur Lamine Dramé, monsieur le président de l'amical de. Diana Malari, monsieur Ousmane Diallo, et l'ensemble, moi je suis allé à l'école, moi je suis allé à l'école, comme tant me permettre, je suis content, je suis content. Et le président de l'amical de la commune de Bambali aussi, là, monsieur Salon Dema, à lui, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, en tout cas, content de laisser au talent. Donc, étudiants, dans l'État, nous devons travailler. Surtout étudiants minéraux, nous formons minéraux, les anciens minéraux, les amicaux, nous devons être attentifs. Avant que ce ne soit pas le cas, c'est pour tout le monde. Nous voulons dire que nous avons acquis de quoi là, mais ça tient à nous, nous voulons dire que nous sommes dans des meilleures conditions. Merci beaucoup.